you? Et salut à tous, c'est Toren Poivasun dans le Regard dans le Rétro pour Pokémon Vert version japonaise. Donc là on se retrouve là où on s'est quitté la dernière fois, donc devant la grotte. Donc j'ai fait un Reptancell level 16 et le Rookool que j'ai EP un peu, que je rappelle que j'avais capturé level 5 et j'en avais bien galéré quoi. Donc on va commencer la grotte, donc autant vous dire que je me souviens de rien. Je me suis fait la version il y a hyper longtemps. Et je me souviens plus rien du tout en fait. Alors on va commencer notre petit Papan. D'accord. Un petit nom original. Alors hop, Flamèche. Ouais, là dans la grotte je vais essayer de faire en sorte que Rookool prenne un peu de niveau. Tout simplement que là mon Reptancell a pas mal d'avance. Histoire qu'il soit pas trop labour après et que je galère à le faire XP. Donc par contre je vais essayer de faire le plus de combats dresseurs possible pour essayer de tout simplement gagner de l'XP assez gratuitement. Histoire que je n'ai pas farmé les hot herbes pendant un long moment. Alors là c'est pareil. Donc là pendant cette vidéo ça va être assez accès combat en fait. Simplement que j'ai essayé de taper tous les dresseurs, essayer de capturer quelques Pokémon pour essayer de remplir mon équipe, parce que là je ne possède que deux Pokémon. Hop. Et voilà. Teach. Ouais. Je comprends pas du tout les pseudos en fait là, des noms des Pokémon, c'est spécial quand même. Alors empoisonné. J'espère que je vais pas avoir le même tour que le dernier coup. C'est-à-dire la première vidéo là où j'étais mort du poison en marchant. Mais il me semble que j'ai des antidotes sur moi. Ce qui pourrait être très 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 utile. Hop. Tornade. Comme d'hab. Par contre là il va être très lourd à spam armure. C'est ce genre de Pokémon je les déteste. Les combats durent 3 quarts d'heure, c'est du spam de boutons. Genre là ma manette elle a pris cher quoi. Alors voilà, il est tombé. Et un niveau, ça c'est fait. Alors je vais prendre l'antidote du coup pour éviter d'avoir le même tour que la première vidéo. Hop, une petite potion pour le régénérer un peu. Parce qu'elle a été un peu mal. Alors, alors là, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas si c'est le... Non. En fait, là, j'étais devant la dresseuse, et il y a le combat de Pokémon sauvage qui approc en même temps que je passe devant la dresseuse. Du coup, là, normalement, si je sors du combat, je vais direct me faire aggro par la dresseuse. J'aime bien la situation comme ça, un peu chelou. Alors. Ah non, mais en fait, c'était pas. Ouais, comme prévu, il y a le combat dresseur. J'ai un combat sauvage qui approche en même temps que. Dun 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 dun. Par le duel dresseur. Ok, Pipi. Ça vient. Ok, Pipi. Alors, j'ai l'impression que c'est un Pokémon qui était renommé par un gamin de 3 ans. Sérieusement, c'est. J'espère que sérieusement c'est pas le nom des versions japonaises ou anglaises.
s'il vous plaît. C'est pareil, il va falloir que je capture un ici, il me semble qu'il y en a par ici. Histoire de pouvoir remplir mon équipe et d'avoir quelque chose de plus ou moins fort. Alors là, je sais pas... Non, ça va, là, il bascule juste mon attaque. Ah, ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Ça passe mes limites. Hein. Je pense que je dois utiliser une potion. Il level up, ça c'est cool. Ça fait le troisième combat, troisième level up, deuxième level up. Hop, petite potion. Ça c'est fait. Alors là, pareil, je suis paumé, je sais pas où aller. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait cette grotte. Je sais même pas si il faut que j'aille par là. Alors hop. On va attaquer. Ça fait de l'XP. Ah, le petit coup critique. Mais bon, j'aurais bien aimé le capturer quand même. Ouais, il y a des mecs de la Team Rocket. Ça sera petit. En fait, on s'en fout. Il y en a trop ici. Non mais sérieux, j'ai cherché à faire 3 pas quoi. Laissez-moi. Je veux vivre. S'il vous plaît. Hop, escape. Il faudra vraiment que j'investisse dans des repousses. Ça pourrait être cool. Hop, on s'escape. Alors, make-up. Du maquillage, youbi. Non, sérieusement, c'est quoi? La meilleure façon de savoir, c'est l'utiliser. Ok! En fait, ouais, c'est le truc qui augmente les PV dans max d'un Pokémon. Donc là, je l'ai utilisé pour rien, alors qu'il faut l'utiliser vraiment quand... Vers la fin, quoi. Et vers la ligue, etc. C'est là où c'est utile, ce genre de conneries. Protéines, carbone, tout par là. J'aurais dû le garder. Ah, ils ont qu'à mieux traduire. Alors, on se fera petit. C'est pareil, on s'escape. Toujours le même combat, c'est lourd. J'aimerais bien rattraper un. En fait, là, si je fais des allers-retours, c'est pour essayer de choper un Mélopée. Mais je pense que la chance ne me suit pas du tout. Je crois que la chance m'en veut là sur ce coup là. Un, deux. Ah. Ok. Un dessert. Dessert. Très bien. C'est spécial, comme nom. Bon, ça va, mon... En même temps, ça fait des dégâts. En même temps, j'ai quand même 5 levels d'avance. Voilà. Niveau 17. Je pense que ça va être vraiment mon monstre, en fait. J'arrive, c'est lui qui va faire tous les dégâts. Mais j'ai peur, c'est qu'il prenne trop d'avance par rapport aux autres. C'est ce qui m'arrive dans toutes
les versions auxquelles j'ai joué, c'est mon starter à plus de level que les autres, mais de loin. Simplement que j'ai tendance à l'utiliser assez souvent et le spam, quoi. Alors, on a ce fer à petit. On va essayer de changer, je pense. Hein. Non, regarde. Ouais, non. Ok. Hop, il est mort, ça c'est fait. Ah, il est mort, non, il est vaincu. Alors, on revient sur nos pas. Donc, c'était pas là où il fallait aller. Peut-être croiser notre. Non, ma soeur. Encore et toujours. Ouais, on va essayer de le capturer pour juste essayer de remplir l'équipe. Hop, du premier coup, ce sera pas comme l'Hero Cool, c'est déjà ça. Moi j'hésitais entre l'esquiver et le faire, mais je pense que l'XP est quand même primordial et il va bon falloir. Donc, bon, 7 levels d'avance, ça devrait pas être compliqué. Non, normalement je suis censé lui mettre au quart. Ouais, c'est ça. Enfin, là j'y mets plus, j'ai mis 90%. Hop. Il est tombé. En fait, j'ai qu'un sort qui est traduit dans tout le truc, ça. C'est cool. Alors, on va changer. On va essayer d'XP notre petit Roucool. Histoire qu'il up en Roucoups. Alors là, déjà, les dégâts, c'est un peu moins. Bon, on a quand même la moitié. Ouf, le critique. Le critique. Et voilà, il est down. Le Ferrapti encore. Ouais, là, je vais reprendre la pincelle. Histoire de l'exterminer, éviter de perdre Roucool. Ouais. Son attaque est pas du tout efficace. J'arrive à me retirer un HP, c'est génial. Qui sont attaque à la forêt. Hop. Hop, on le raquette. Et c'est parti. Alors, la mèche, il meurt, merci, au revoir. En fait, j'aurais dû passer le combat pour éviter de perdre du temps. Alors, antidote, ça peut me servir. Je crois que je me suis jamais autant servi des consommables que là. Alors lui, il me le faut. On va le tenter comme ça. Il me semblait que là c'était ma dernière, donc espérons. Ah, il rentre. Nickel. Il est entré tranquille. Hop, on utilise la potion pour essayer de régénérer un peu. Par contre là, toute mon équipe est donc jaune. Donc là, ça va être un petit peu tendu. Alors j'essaie de mettre Roucool quand même en premier, même si je vais devoir switch, comme ça il va prendre un peu d'XP
en XP partagé. Montagne. Caillou. Youpi. Alors là du tout, c'est pas du tout. C'est pas du tout ce Pokémon qu'il me faut. Hop, on rappelle le coup au Roucool, pardon. Et on envoie Rétincelle. Là. Je vais tenter une griffe pour voir. Oh non, ça fait 0. 0 dégâts. Alors si je vais tenter d'autres attaques que Flamèche, simplement pour essayer d'économiser les PP. Parce que là je suis en train de spam depuis tout à l'heure. Et... manquer que ma team meurt et que j'ai plus Flamèche et là c'est mauvais quoi. On est Pokémon Rush et c'est là. Franchement ce sera la mort. Alors, moi ça passe nickel, hein. Ça passe nickel. Par contre, le bruit de l'ultrason, c'est juste insane. Le petit crissement. Je me rappelle ma GBA à l'époque. Elle saturait avec ça, donc c'était dégueulasse à entendre. C'est vraiment pas agréable, quoi. Ok. C'est la première fois que je rencontre un sauvage, il me semble. Enfin, du coup, on fuit parce qu'il me semble pas que j'ai Pokéball. Hop, je mets mon Rétincelle en premier pour éviter que les autres meurent, étant donné qu'ils sont tous low. Alors... ah, Team Rocket. Et là, ça va être chaud. Là, honnêtement, je pense que ça va être chaud. Ils sont tous low, j'ai plus de potions. J'ai plus masse de PP, il me semble. Ouais, j'ai plus de potions du tout. Alors, j'économise les PP pour les Spear Rocket. Je vais l'attraper, lui. Ah, bah, je vais quand même une Pokéball. Je vais l'attraper, lui, pour... essayer d'avoir quelqu'un en plus. Un bouche-trou, en fait. Hop, on lui donne pas de surnom. Alors... non. C'était pas en haut. Alors toi c'est bon, je t'ai déjà eu. On s'en fout. On fuit. Bon alors l'esquive. Histoire de pas mourir. Sinon là c'est tendu. Ah un paras. Moi je suis pas très fan des Pokémon insectes. De ce que j'ai compris en fait des insectes, c'est que c'est très faible au début mais très fort à la fin. Moi je préfère avoir un Pokémon qui soit moyen tout le long. Ça au début tu roules plus ou moins dessus et... enfin, pas rouler mais tu sors tranquille quoi. Il a parlé d'un fossile. Je me rappelle pas d'un fossile. Ah, je vous dis cette version, ça fait hyper longtemps que j'y ai pas joué, quoi.
je dois me répéter à force, mais ça fait trop bizarre. Ok. Foufoufoufou, les dégâts, le critique. Le critique. Donc là, je suis vraiment très bien. J'ai un reptincelle à 10 PV. Le reste, il est pas mieux. Il a 10, 20. Bon, là, lui, par contre, on va essayer de le détruire. Mais directement. Ouais. Bon, ça, ça va, ça, c'est 0 dégâts. Pouf, 1 HP. Youpi. Alors là, j'aimerais bien faire un petit. Non, pas besoin d'un critique. Non, c'est bon. Hop. On remonte. Quoi? Oh mais sérieux. Je pensais que c'était un mec allié. Son skin était différent des roquettes, etc. Je pensais que c'était un mec genre capturé ou emmerdé par les roquettes. Alors là, c'est pareil, je vais devoir burst. Compter en la foi. Il est brûlé. Il est brûlé, peut-être un petit peu de chance. Oh, il lui reste rien, s'il vous plaît. Wow, 3 HP. Tombe, il tombe. Alors, ça c'est fait. Niveau 19, je récupère un peu d'HP. Je suis à 5. Mabi, je connais pas. Ok, c'est un Voltar. Voltar ou Electrode, j'ai jamais su les différences. Alors. Ultrason. Ça passe, ça passe. Ça c'est fait. Déjà. Un Smogo. Un Smogo. Ouais. Allez, pipi. Son attaque a échoué, la mienne est passée, mais je fais 0 dégâts. Pas une mec 4 niveaux. On a tenté avec un autre. Oh cool. Fouah, 3 HP. Tornade. Oh, ça fait déjà plus de dégâts. Voilà, par contre, Roukoul est mort. C'est quelqu'un d'autre qui va finir le boulot à sa place. Bon, on va essayer de lui sucer le sang. Apparemment, c'est super efficace. Donc, tant mieux. C'est bon à savoir. Donc, je vais retenir ça sur les Smogo, les trucs de type vampirique, ça passe nickel. Donc je prends celui de droite. Donc je sais pas du tout si prendre celui de droite ou celui de gauche ça différencie grand chose. Oh, ça me dit rien. N'hésitez pas à me le dire si jamais le choix était important pour la suite du jeu, pour un Pokémon précis ou quoi, parce que là, les Pokémon partiront de fossiles, je m'en souviens pas du tout. Enfin, il y avait Terra, peut-être, non? Donc on est enfin sorti de la grotte avec encore beaucoup de chance. Je pense que ça va être une run de la chance. Genre le champion d'arène à 2 HP près, la grotte où il y a toute mon équipe qui clams. Par contre là j'ai pas créé victoire avant d'avoir vu le centre Pokémon ou une safe zone. Parce que là... Vous pourriez voir un mec en short là qui m'attend, qui me bloque le passage. Ce serait très gênant. Bon voilà, on est dans une ville, donc une safe zone. Et on va aller directement au centre Pokémon pour soigner nos Pokémon. C'est obvious, je sais. Voilà. Donc on peut voir qu'on a désormais 5 Pokémon. Et donc voilà. Je pense que je vous dis à plus tard. Je vais sauvegarder là. Et à toute pour une prochaine vidéo. Ciao.